voilà maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'excuse et on part en disant que tout est comme avant. Que des mots sortis de nos bouches, aucun n'a fait mouche, qu'il n'y a même pas eu de sang. Je crois que le sang m'impressionne moins que le son de nos intestins. Lorsque tant qu'est face à face, on aboie comme des chiens. Fini le temps des hurlements, place à celui des hurlements. Tout s'oublie, sauf le mépris. Ma main n'est peut-être pas cassée, faudra changer la porte d'entrée. De toute façon, je n'en ai plus besoin pour me sentir enfermé. J'imagine que pour toi aussi, lorsque tu y réfléchis, toutes les questions commencent par si. Comme si demain je lâche la main, est-ce que je tombe? Est-ce que ma vie me paraîtrait un peu moins digne d'intérêt? Si demain je lâche ta main, jusqu'où je vais? Est-ce que je m'arrête au bout de la rue? Ou est-ce que je tourne au coin? Pas besoin de crier, sans camisole, pas besoin de forcer. Je me vois comme un petit soldat qui chialerait en marchant au pas, sans l'audace de déserter. Je voudrais être un putain de cow-boy et n'avoir besoin de personne. Un arbre planqué dans un pré sur lequel personne viendrait pisser. Mais j'ai même pas monté à cheval, avec une arme je me ferais mal. Et je veux pas passer mes hivers à cailler dans les courants d'air. J'en veux, je m'en veux de me dire que si demain je lâche ta main, est-ce que je tombe? Est-ce que ma vie me paraîtrait un peu moins digne d'intérêt? Si demain je lâche ta main, jusqu'où je vais? Est-ce que je m'arrête au bout de la rue? Ou est-ce que je tourne au coin?